trois marchés hebdomadaires. Donc un marché Place du Châter qui a lieu le mardi matin, un marché Place de l'Europe qui a lieu le vendredi matin et un marché au bourg de Francheville-le-Haut qui a lieu le mercredi matin. Donc sur les trois marchés durant la semaine de la fête internationale des marchés, nous aurons les animations qui seront suivies par la proposition donc d'un panier garni et puis de dégustations diverses et variées par les produits proposés par les forains. Alors tout simplement parce que on fait un constat tout simple, nos marchés ils fonctionnent plutôt globalement pas trop mal, mais par contre ils souffrent du fait de ne pas être forcément toujours bien connus et on a besoin de continuer à réfléchir à des moyens de renouveler la clientèle. Donc la création d'événements de ce type permet de mettre en lumière, je dirais, la qualité de nos forains et la qualité des produits. La particularité de Francheville, c'est qu'on n'a pas de centralité, hein, donc on n'a pas de marché unique suffisamment important pour drainer à lui seul, je dirais, un intérêt particulier. Donc on a trois marchés, trois petits marchés, mais qui sont de qualité, et c'est ça qu'on veut mettre en avant. Et donc cette opération, en plus, est intéressante, puisque finalement, le panier garni permet de mettre en valeur les produits, et puis aux forains de se présenter et de présenter leur qualité. Voilà. Oui, on l'espère. Maintenant, on a aussi le réalisme de se dire qu'il faut qu'on puisse le faire. Ces animations nécessitent toujours la mise en place de ressources, de moyens, d'agents, de municipaux disponibles. Et puis, il faut que les forains adhèrent. Donc l'idée, c'est de voir comment pouvoir le faire, toujours dans la dynamique de mettre en avant ces marchés, de mettre en avant la qualité de ces marchés et de renforcer ces lieux de vie qui sont des lieux conviviaux. Voilà. Donc si l'occasion et si l'opportunité se présente de pouvoir réaliser d'autres événements dans l'année, on le fera avec plaisir.